80% de taux de numérotation et 100% de taux de recensement de la population du département de Lakota. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le comité départemental de suivi de la 4e opération de recensement général de la population et de l'habitat et le ministre d'État, ministre du plan de développement. Pour s'assurer de la bonne marche du processus, le ministre Albert Mabrutoakus a visité des ménages dans les villages et dans la ville de Lakota. Sur place, il a trouvé des populations disposées à répondre aux questions des agents recenseurs. La rencontre avec la population a été l'occasion pour lui de rappeler l'importance de cette opération. Il a invité l'assistance à être des ambassadeurs auprès de toute la population du Lodibois. Les chefs coutumiers s'engagent à assurer la réussite de cette opération dans leurs différents cantons. Moi, chef central d'Akabré-Kouapi, chef des chefs de tout le département, voilà mon récépissé de ce que pour le recensement. Vous pouvez le lire. C'est pour vous dire que nous sommes à vos côtés et ne soyez pas inquiets. Petit à petit, proportionnellement, nous allons arriver à une vitesse de croisière et puis tout sera bouclé. Adaloa, le chef de terre qui dit avoir participé à toutes les opérations de recensement en Côte d'Ivoire, demande à sa population d'ouvrir les portes aux agents recenseurs. Le recensement n'est pas politique. C'est pour connaître, bon, par exemple, dans un village, l'appel nombre des hommes. S'il n'y a pas assez de zones là-bas, comment le courant peut aller là-bas? Comment on peut envoyer l'eau là-bas? Tout ce que les chefs ont besoin, comment ça peut aller là-bas? Et je lance l'appel à tout le monde. On n'a qu'à laisser les agents pour recenser tout le monde. La réunion avec le comité départemental de l'opération de recensement général de la population de l'habitat a permis de donner les 50% de taux de recensement. Sur le terrain, les agents recenseurs continuent leurs activités. De jour comme de nuit, ils sillonnent les ménages afin de recenser toute la population.